Hello à toi, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va parler de la peau et plus particulièrement de l'acné. Alors peut-être que, ben, comme toutes les femmes, c'est-à-dire que tu as de l'acné un peu tous les mois, hein, on spot quand on a nos règles, ou peut-être que ben, malheureusement, j'ai envie de dire, ben, tu as de l'acné plus régulièrement et là, c'est vraiment l'horreur. Tu as vraiment envie de travailler là-dessus pour ne plus en avoir et avoir une peau nette et te sentir mieux dans ta peau. Et ben je te laisse suivre cette vidéo, je t'invite donc à t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait et nous nous retrouvons tout de suite. Donc on se retrouve pour cette vidéo pour parler de la peau, du soin de la peau, de comment faire pour avoir une jolie peau, mais surtout comment faire pour venir à bout de l'acné. Alors peut-être que tu as des boutons plus ou moins réguliers et que bah là c'est disgracieux, en plus ça laisse des cicatrices. Donc le but c'est quand même d'arriver à ne plus avoir cette peau qui cicatrise en fait, ne plus avoir d'infection sous la peau parce que c'est principalement ça, c'est-à-dire que tout ressort. Alors oui, j'imagine que si tu as déjà de l'acné, on t'a dit de faire attention à ce que tu mangeais, c'est-à-dire de faire attention aux aliments gras et aux aliments sucrés. Bien sûr, dans le quotidien, tu peux en manger, mais il faut veiller à un certain équilibre. Tu vois, il ne faut pas manger que des aliments gras et sucrés. Il faut aussi, à côté, associer avec des légumes, de la viande, même si on te dit de limiter la viande rouge en général, de la viande, des légumineuses, des fruits, pour qu'il y ait un certain équilibre. En plus, c'est quand même relativement rare les personnes qui ont de l'acné et qui mangent très très mal parce qu'elles savent que, bah, elles doivent limiter leur alimentation de ce côté-là et elles font tout ce qu'elles ont en leur pouvoir pour justement limiter cette apparition de boutons d'acné. En tout cas, si tu ne le savais pas, je t'invite fortement à revoir, voilà, cette alimentation et à l'enrichir en zinc. Donc en zinc, tout ce qui est amandes ou sinon, prends dans un premier temps bah, des comprimés en pharmacie, demande du zinc pour bah, enrichir ton alimentation et que ton organisme fabrique un peu plus cette molécule. Mais je t'invite aussi à boire au niveau alimentaire pour enrichir ton alimentation en zinc. Ce qu'il faut faire dans un premier temps avant de passer aussi à la sphère peau, enfin voilà, directement sur la peau, c'est aussi enrichir ton alimentation en magnésium parce que bien souvent le stress fait qu'on va avoir des boutons. Même quand tu vas avoir tes règles, le mieux ça serait de t'enrichir en magnésium avant les règles, comme ça limite l'apparition d'acné. Voilà, donc sache-le si tu ne le savais pas. Petite astuce du jour supplémentaire, mais du magnésium dans ta vie. Voilà, c'est super super important. La première chose aussi que je fais, alors là on est déjà à la troisième mais c'est pas grave, une autre chose que je préconise pour les personnes qui sont atteintes d'acné, c'est de travailler sur le foie parce que le foie permet l'élimination, le drainage en fait, et pour ça bien souvent je préconise l'abardane. Donc c'est une plante, hein, c'est enfin une plante d'ailleurs, l'abardane si tu connais, c'est une plante piquante, un chardon, voilà, je cherchais. C'est un chardon où on prend en fait l'intérieur, les graines de bardane, pour en faire des solutions, des comprimés alimentaires, et qui vont t'aider à drainer tout ce qui est foie, et qui vont drainer aussi tout ce qui est sphère de la peau, et du coup tu vas avoir une jolie peau. Tu peux aussi enrichir ton alimentation en levure de bière. Tu sais, la levure de bière en général c'est pour les cheveux et les ongles, mais aussi pour la peau, et ça va t'aider, ainsi que l'oméga 3, donc les bons gras, les bonnes graisses qui vont aussi t'aider dans ce sens. Ouh, ça fait beaucoup de choses déjà, hein, pour un premier début de vidéo. Donc ensuite on passe bah, là à la surface de la peau, hein, parce que certainement que tu as déjà des boutons d'acné ou que tu en as régulièrement, et du coup
pour enlever en fait, pour permettre de régénérer la peau, fais des masques à l'argile verte. Et ensuite, après ton masque, une fois que tu as bien lavé, tu peux mettre de l'hydrolat de camomille, par exemple, pour apaiser. Et sur chaque bouton, tu peux mettre de l'huile essentielle de tea tree. Donc, tu prends ton huile essentielle, tu prends un coton-tige et tu mets un peu sur chaque bouton un peu de tea tree pour assécher le bouton. Ça va désinfecter, ça va faire du bien à ta peau. Et comme ça, bah, tu vas vraiment assécher ton bouton, tout simplement, et faire en sorte qu'il ne revienne pas et éviter d'avoir des cicatrices, parce que la plupart du temps, pourquoi on a des cicatrices? Parce que le bouton éclate, pète ou qu'on le fait péter, hein, faut pas se leurrer non plus. Et du coup, et ben, ça fait une cicatrice et on veut absolument éviter ça. Donc, mets du tea tree dessus dès l'apparition, même dès que tu vois que ça commence à être rouge, mets du tea tree dessus et ça va vraiment aider à atténuer tes boutons. Voilà pour mes astuces de manière globale sur l'acné. Bien sûr, ce n'est pas un accompagnement spécifique et je t'invite vraiment à revenir vers moi pour quelque chose de plus spécifique à toi-même, pour être en bien-être avec ta peau. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo t'a plu. N'hésite pas à me dire si toi aussi ça t'arrive d'avoir de l'acné. N'hésite pas à partager pour toutes les personnes qui en ont et qui veulent avoir des solutions naturelles. En tout cas, je te fais de gros bisous et je te dis à très vite.